Voilà, bonjour tout le monde. Après les oscillateurs instables qu'on a vus précédemment, eh bien, je vais maintenant vous parler des oscillateurs sinusoïdaux. Voilà. Par contre, les fondements théoriques qui permettent de bien justifier le fonctionnement de ces oscillateurs sont assez complexes. Donc on ne va pas aller au fond de la théorie de ces oscillateurs. Mais par contre, je vais quand même vous décrire comment ils sont constitués, comment on fait pour les obtenir et quelles sont les conditions qu'il faut satisfaire pour que ces oscillateurs puissent fonctionner correctement. Alors je vais commencer par vous décrire ce qu'il y a dans un oscillateur sinusoïdal. Donc on va trouver deux éléments qu'on a déjà décrits précédemment. Donc typiquement, on va avoir un amplificateur. Alors cet amplificateur, je le mets comme ça, je dis qu'il va avoir un gain que je vais doter G. Voilà, dans l'idéal, ça peut être bien de pouvoir le faire varier, mais bon, c'est pas forcément nécessaire. Alors ça veut dire quoi un amplificateur de gain G? Parce que si on a une tension d'entrée ici qui vaut V up et bien en sortie, on aura une tension VS qui sera égale à eh bien, V up fois G ou V fois V up. Voilà. Par rapport au 0 volt d'alimentation de l'ampli. Voilà. Et l'idée donc de l'oscillateur sinusoïdal, c'est de réinjecter la sortie de l'ampli sur l'entrée. Mais si on faisait ça directement comme ça, on n'arriverait pas bien à maîtriser la fréquence d'oscillation. Donc on va faire ça en privilégiant une fréquence particulière. Voilà. Et pour privilégier une fréquence particulière, eh bien, avant de faire cette injection, ici on va mettre un filtre passe-bande, que je vais dessiner sous forme d'un carré, comme ça. Filtre passe-bande. Donc on a un petit peu vu ce que c'était. Alors, ça veut dire quoi un filtre passe-bande? Si on regarde le gain de ce filtre, donc le gain je vais mettre sur cet axe-là en fonction de la fréquence, eh bien c'est un gain qui va passer par un maximum ici pour une fréquence qu'on va appeler F0, qui est la fréquence centrale du filtre. Et puis c'est un maximum, et en dessous de cette fréquence, le gain devient de plus en plus petit, et au-dessus, il devient de plus en plus petit. Ce qui fait qu'on a un gain qui est... ce filtre a tendance à privilégier la transmission de la fréquence F0 par rapport aux autres fréquences. Une fois que le signal sorti d'amplificateur a traversé le filtre, eh bien l'idée cette fois c'est de réinjecter ce signal-là à l'entrée de l'ampli. On fait cette réinjection. Voilà. Et si certaines conditions sont satisfaites, eh bien dans ce circuit va naître des oscillations. Alors, je prolonge chez 0 volts. Je vais donner un nom à la tension de sortie de filtre, on va l'appeler VF. Alors, vous allez me dire, oui, d'accord, mais en fait, VF, c'est la même chose que VE. Plutôt VE sur VF, puisqu'il y a un fil qui relie les deux. Oui, c'est vrai. Mais pour bien comprendre les conditions qui vont permettre à ce circuit d'osciller et de produire une sinusoïde, eh bien, on va devoir faire des raisonnements dits en boucle ouverte. Alors, ça veut dire quoi, boucle ouverte? Ça veut dire qu'on va mettre un interrupteur ici. Et l'interrupteur, on pourra décider de l'ouvrir ou de le fermer, c'est-à-dire de fonctionner en boucle fermée quand l'interrupteur est fermé et en boucle ouverte quand l'interrupteur est ouvert. Sachant que l'oscillation se fait quand on ferme l'interrupteur, c'est-à-dire quand il y a une réinjection de la sortie du filtre sur l'entrée de l'ampli. Alors, on va écrire ça quand même proprement. Déjà, donc, pour définir, donc, boucle ouverte, DO, ou boucle ouverte. Donc, on va pas écrire comme ça. On va écrire boucle ouverte. Donc, l'abréviation, ça sera VO. Voilà, si l'inter est ouvert. Ensuite, on aura boucle fermée. Et puis on fera l'abréviation BF si l'inter est fermé. Alors maintenant on a défini ça, on va pouvoir aborder les conditions, parce qu'il y a deux conditions à satisfaire pour que quand on ferme l'interrupteur, ce système se mette à osciller. Alors les conditions, je vais les faire à l'oral rapidement. Pour que quand on ferme l'interrupteur, ça se mette à osciller, eh bien, quand on est en boucle ouverte, c'est-à-dire interrupteur ouvert,
et qu'on étudie la réponse en fréquence de ce système-là, eh bien, il faut que pour la fréquence d'oscillation désirée, voilà, c'est-à-dire si ici j'ai un générateur là, qui fournit du VE, à la fréquence d'oscillation, eh bien, il faut d'une part que je mets une sinusoïde donc, en entrée, eh bien, il faut que la sinusoïde en sortie ait une amplitude plus grande que la sinusoïde d'entrée. Voilà. Ce qui fait que quand on ferme l'interrupteur, on va injecter une sinusoïde plus grande que celle qui va donner naissance au départ. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, donc pour la fréquence d'oscillation souhaitée, eh bien, il faut non seulement que cette sinusoïde en sortie ait une amplitude plus grande que la sinusoïde en entrée, mais en plus, il faut qu'elle soit en phase, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de déphasage entre la sinusoïde qui sort là par rapport à celle qu'on a mise en entrée. Voilà, donc ça fait deux conditions. Si ces deux conditions sont satisfaites, alors quand on ferme l'interrupteur, eh bien, il va germer dans ce circuit des oscillations à la fréquence qui permet de satisfaire ces deux conditions. Voilà. Alors on va écrire ça proprement, puisque c'est difficile à retenir sinon. On va l'écrire comme ça. On va écrire en boucle ouverte, donc BBO pour faciliter. Si il existe, je vous laisse un symbole mathématique qui veut dire il existe, sinon vous marquez il existe en tête. Hein. Allez, si il existe une fréquence F0, qu'est-ce que j'écris ? Pour laquelle virgule. Alors là, on va mettre plein de conditions. Hein. Ce que j'ai dit comme condition, eh bien, l'amplitude de VF supérieure à l'amplitude de VE. Voilà. Et puis il y a la deuxième condition. VF est en phase non déphasée hein, avec VE. Voilà. Donc ça, c'est ces deux conditions à respecter. J'aimerais on va laisser un peu de place, parce que j'aimerais leur donner une autre manière de les écrire plus mathématique. Hein. Voilà. Alors, on va l'écrire. Donc je laisse un peu de place là. On va mettre un alors. En boucle fermée. Donc boucle fermée, ça veut dire quand on ferme l'interrupteur. Des oscillations naissent spontanément dans le circuit. Avec une amplitude qui croît exponentiellement jusqu'à saturation de l'ampli. Ça va croître. On reviendra un peu sur les formulations mathématiques de tout ça. Ou peut-être je vais même réécrire la phrase, tiens, on va voir ça. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Les oscillations vont grossir, jusqu'à ce que, en fait, en sortie d'ampli, on vienne buter sur les tensions de saturation d'ampli, c'est-à-dire le V sat plus ou le V sat moins, ou les deux en même temps d'ailleurs. Voilà. Et à partir de là, eh bien, l'amplitude des oscillations cesse de croître. Ces oscillations sont sinusoïdales, sauf quand l'ampli sature, ensuite on peut ici avoir des plats sur les sommets des sinusoïdes qui correspondent à la saturation d'ampli. Voilà en gros ce qui va se passer. Alors en fait, cette condition-là, j'aimerais les écrire autrement. Si VS, ça, la formulation plus mathématique de ces conditions, ça va être quoi? L'amplitude de VF supérieure à l'amplitude de VE, l'amplitude de VF,
on a vu que l'amplitude d'une sinusoïde, un rapport à signe de près, c'était égal à module du nombre complexe qui représente cette sinusoïde. Donc c'est le module de VF complexe qui doit être supérieur au module de VE complexe. Ou autrement dit, eh bien, le rapport de ces deux modules, donc ce qu'on a mis sur le... ce qu'on a en sortie sur ce qu'on a mis en entrée, qui doit être supérieur à 1, et ça, ça s'appelle le gain du circuit. Alors, il faut que le gain en boucle ouverte du circuit soit supérieur à 1. En gros, une sinusoïde à l'entrée ici produit, en sortie de boucle, une sinusoïde plus grande que celle qu'on a mis en entrée. Voilà ce que ça veut dire tout ça. Et puis la condition sur le déphasage, en face, c'est-à-dire que les deux tensions ont le même déphasage, hein, ça veut dire phi VS et phi VE, mathématiquement. Et si on raisonne sur les tensions complexes associées, bien ça sera argument de VS complexe égale argument de VE complexe, puisque les déphasages, ce sont les arguments. Voilà. On a pu dire aussi différence des arguments égale à 0. Voilà. Alors dans ce cas-là, eh bien, si ces conditions sont satisfaites, il y a des oscillations qui vont naître avec une amplitude qui croît exponentiellement. Alors ça veut dire quoi? Que l'amplitude croît exponentiellement? Eh bien, ça veut dire que le Vs de T, donc avant saturation, voilà, saturation, eh bien, qu'est-ce qu'on aura? On aura le Vs de T, ou le Vs de T par exemple, voilà, mais ça pourrait être aussi le VF de T, en fait tous les signaux vont être à peu près de la même manière. Ben, ils seront de cette forme-là. Ça va être une sinusoïde. A priori à la fréquence F0 ou proche de F0, là je mets F0, voilà. Plus c'est éventuellement un déphasage, mais ça n'a aucune importance, ça dépend de l'origine des temps. Et surtout ici, eh bien, il va y avoir une amplitude qui croît exponentiellement, ça s'exprime comment? Eh bien, c'est une amplitude de la forme exponentielle KT. Voilà. Et pour que cette exponentielle soit croissante, d'accord, hein, eh bien, ça veut dire que K, ici, est supérieur à 0. Ouais, parce que si K est négatif, ça fait l'exponentielle décroissante. Alors, en fait, voilà, démontre pas, mais K est supérieur à 0 dès que le gain G, ici, est supérieur à 1. Typiquement. Voilà. Si jamais le gain était... voilà. Si le gain était négatif, si le gain ici était plus petit que 1, quand il est plus petit que 1, et bien cette fois, K est négatif et ça fait une exponentielle décroissante. Voilà. Mais dans ce cas-là, si l'exponentielle décroît, les oscillations vont plus naître, elles vont plutôt mourir en fait, hein, puisque l'amplitude va décroître au cours du temps. Voilà. Alors cette fonction-là, si je cherche à la tracer, ça va donner quoi comme allure? Voilà, donc voici une idée. Donc en fait, on va se mettre un axe du temps, comme ça. Et puis on va avoir, je vais vous tracer une fonction exponentielle. Là, donc là, c'est le temps. Et une fonction exponentielle, c'est comment? Pour les t négatifs, c'est très proche de 0. Et puis ça croît, ça vaut 1 en t égale 1, puis ça monte de plus en plus comme ça. Mettons que ça soit de la forme exponentielle kt. Alors ce qu'on va tracer maintenant, c'est la courbe symétrique, voilà, qui va être exponentielle moins kt. Je vais faire un peu côté pas symétrique, je vais prendre un peu repère, comme ça, angle là. Allez, on va passer comme ça, donc ça part complètement de 0. Et puis ça descend. Voilà comment ça va commencer. Et donc ça, c'est pas toute cette fonction, c'est juste l'amplitude. L'amplitude, en fait, c'est ce qui multiplie le cosinus. Donc en fait, au début, on va avoir une sinusoïde ici qui oscille avec une toute petite amplitude. Voilà, comme ça. Et puis au fur et à mesure que l'exponentielle croît, l'amplitude de la sinusoïde va croître. C'est ça. Voilà ce qu'on va avoir en circuit. Alors ça va croître jusqu'où cette amplitude? Si elle n'est pas de saturation, ça croît,
ça sera en croissance jusqu'à l'infini. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment, l'amplitude va être limitée par le Vsat de l'enfant. Le Vsat plus et le Vsat moins. Voilà, donc là c'est... Alors, on y en est là. Ça c'est moins exponentielle de t. Ça c'est le Vsat plus de l'enfant. Et ça c'est le Vsat moins. Et quand on atteint, toujours but, quand on atteint le Vsat moins ou le Vsat plus, eh bien les oscillations continuent d'osciller, mais s'arrêtent de croître. Et puis sur le sommet des oscillations, des fois, souvent on voit des petits plats comme ça qui correspondent à la saturation de l'amplitude. Ouais, voilà. Alors, ça peut saturer fortement ou pas, ça c'est si le gain à la fréquence des oscillations est très supérieur à 1, ça sature beaucoup. Si le gain est très proche de 1, à la fréquence des oscillations, eh bien ça sature très très peu. Voilà, etc. Voilà à quoi va ressembler le signal qu'on obtient ici. Donc finalement, si ça sature beaucoup, comme il y aura des plats au bout, ça finit presque par être un signal carré. Si ça sature peu, ça sera très proche d'une sinusoïde. Un peu près ce qu'on obtient. Et du coup, pendant la période où les oscillations croissent, comme ça, là, la fréquence, ici, là, la fréquence qu'on obtient, là, en blanc, la fréquence, elle est assez proche de F0. Voilà. Par contre, quand on est dans cette phase-là, la fréquence sera proche de F0 si on sature peu. Voilà. Mais si on sature beaucoup, ça peut s'éloigner pas mal, et souvent c'est les plus basses fréquences quand ça sature beaucoup. Une fréquence inférieure à 0, F inférieure à 0, si beaucoup de saturation. F sensiblement égal à F0, si E de saturation. Et donc cette fréquence sera plus ou moins aussi proche de F0 selon alors quelque chose qu'on va appeler la sélectivité du filtre. Alors on va mettre ça, ça va passer. La fréquence est d'autant plus proche. F0 que le filtre passe-bande est sélectif. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Et ça va être vrai dans les deux phases. Dans la phase où les oscillations sont croissantes, mais même dans la phase où il y a de la saturation. Donc, ce que je n'ai pas précisé, mais dans ces oscillateurs, très fréquemment, on est en recherche d'une fréquence d'oscillation ultra précise. Notamment quand on veut transmettre des informations sur des signaux électriques, par exemple, on fait des émissions radio, vous avez vu, il y a des radios, ça émet à 100.1, l'autre à 100.3, 100.4, et il faut vraiment que les fréquences d'émission de ces radios soient très très précises. Donc, on aime bien avoir des choses assez précises. Pas tout le temps, mais pour la plupart du temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'un filtre est sélectif? Ça, ce truc-là, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que ce filtre, sélectif, ça veut dire qu'il va avoir un pic de gain qui est très très étroit. Et la sélectivité, ça se mesure avec quelque chose dont je vous ai déjà un peu parlé rapidement, ça se mesure avec ce qu'on appelle le facteur de qualité. Alors je vais rappeler ce que c'est ici. Donc un filtre sélectif, voilà, il a sa courbe de gain. Il y a un filtre peu sélectif, ou très sélectif, ça va être quoi? Un filtre peu sélectif, c'est quelque chose qui va avoir une courbe de gain comme ça, qui monte et qui descend, et avec un pic de gain qui est assez large. Et quand c'est très très sélectif, je fais en bleu, et bien ça va être comme ça, et puis la courbe de gain va monter très rapidement, et redescendre,
quasiment tout de suite après. Donc ça, c'est un filtre sélectif sur... ça, c'est plus sélectif. Voilà, très sélectif. Voilà. Et ça, c'est peu sélectif. Voilà, presque qualitatif. Voilà, quand on veut mesurer la sélectivité d'un filtre, en fait, on fait avec ce qu'on appelle un facteur de qualité. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que le facteur de qualité. Je redessine un filtre sélectif comme ça, avec sa courbe de gain. Voilà, donc il est comme ça. Bon, j'en fais un comme ça, peu importe qu'il soit très sélectif ou peu. Voilà, ici vous avez sur le sommet, ici vous avez le gain maxi. Voilà, qui est atteint pour la fréquence centrale du filtre, passe-bande, qu'on appelle F0. Et ensuite, on va définir la largeur de bande de ce filtre, c'est-à-dire qu'ici, on va tracer un niveau un peu plus bas, qu'à 30% en dessous de Gmax. Voilà, ce niveau-là, que je dessine, je vais faire en bleu, là. Voilà. Ça va être Gmax sur racine de 2. Ou on pourrait dire Gmax moins 3 décibels, pour ceux qui ont bien retenu ce qu'étaient les décibels. Et ensuite, ça va nous déterminer deux fréquences. Voilà, une fréquence de coupure basse et une fréquence de coupure haute. Et l'écart entre ces deux fréquences, c'est ce qu'on appelle le delta F. Que j'essaie d'écrire ici, voilà. En tout petit, je vais l'écrire à côté parce que c'est en petit. Donc delta F, c'est F, c'est H, moins F, c'est D. Voilà, et le facteur de qualité qu'on note Q, voilà, c'est le facteur de qualité, hein. Eh bien, par définition, c'est égal à F0 sur delta F. Voilà. Ça, c'est la définition du facteur de qualité. Et vous voyez que, en fait, plus le facteur de qualité est élevé, plus ça correspondra à un delta F petit, et donc à un pic de gain qui est étroit. Voilà, et qui se réalise pour une bande, enfin une fréquence qui est de plus en plus précise en fait. Voilà. Donc quand on veut faire des oscillateurs qui ont des fréquences d'oscillation très précises, eh bien on va essayer d'utiliser des filtres passe-bande qui ont un facteur de qualité élevé. Alors on va envisager quelques circuits. Voilà. On verra que les facteurs de qualité des oscillateurs peu précis, ben, ça peut être un facteur de qualité qui est seulement de l'ordre de 1, donc ça c'est pas précis du tout. En mettant des circuits un peu plus sophistiqués, on va avoir des facteurs de qualité qui vont monter vers allez, 20, 50, voire jusqu'à 100, avec des résonateurs de type LC, LC ça veut dire inductance et condensateur. Et puis le top de la précision sera obtenu avec des facteurs de qualité de l'ordre de 50 000, et ça, on obtiendra ça avec ce qu'on appelle un quartz. Voilà, un quartz, c'est un composant qui permet de réaliser un filtre passe-band comme ça, mais avec un facteur de qualité extrêmement élevé. Et c'est ces fameux quartz qui, d'ailleurs, permettent, typiquement, qu'on a dans les montres à quartz, et dans les horloges et les réveils, pour avoir la précision sur le temps des horloges, voilà, qui est relativement précise, puisque la durée d'une horloge, c'est de l'ordre de la seconde ou de quelques secondes, par exemple. Alors on va essayer d'envisager des circuits quand même pour vous fassiez une idée un peu meilleure de la manière de faire ça. Et puis on va faire des circuits en amplioc, un amplificateur opérationnel, et des circuits possibles. Alors je dis circuits possibles parce que des circuits d'oscillateurs, je crois qu'on pourra en dessiner des centaines. Donc des amplioc, un peu moins. Alors le plus simple, eh bien, c'est de commencer avec un amplificateur non inverseur, qu'on a appris, voilà, plus moins, rétroaction de la sortie sur l'entrée via un pont diviseur. Voilà. Donc là, ici, j'ai le VE, et ensuite, j'ai le VS ici. Donc les deux résistances, on peut les appeler la R2 et R1, c'est ce qui fait le gain de cet ampli. Et ensuite, donc, le filtre passe-bande, eh bien, la preuve, ce qu'on a déjà étudié, hein,
c'est qu'un filtre passe-bande peut être obtenu en mettant en cascade un filtre passe-haut du premier ordre et un filtre passe-bas du premier ordre. Alors on peut faire ça. Donc on va mettre un filtre passe-haut, c'est comme ça. Voilà, on pourrait mettre un suiveur entre les deux filtres, on a vu qu'on pouvait s'en passer sous certaines conditions. Et après, je mets un filtre passe-bas du premier ordre. Voilà, donc là, je vais mettre C et R. Ensuite, ici, j'aurais envie de mettre R et C pour que en fait, les deux filtres aient la même fréquence de coupure. Mais ici, je vais quand même m'arranger pour qu'elle mette un courant négligeable sur cette première cellule AC. Donc là, on va mettre 10 fois la résistance qu'on a ici. Ah, bah, pardon, je vais mettre C et R. Ici, on met C sur 10, par exemple. Et là, j'obtiens la sortie de tension de sortie de filtre. Et cette tension de sortie de filtre, je la réinjecte à l'entrée de l'ampli. Allez, on va même se poser la question des conditions d'oscillation. Alors, en fait, la fréquence d'oscillation va être la fréquence de coupure commune aux deux filtres. On peut démontrer facilement que si on met la fréquence de coupure des deux filtres, c'est-à-dire la fréquence F0, si ça sera 1 sur 2 pi RC, voilà la fréquence de coupure. Eh bien, si j'injecte une sinusoïde à cette fréquence-là, la première cellule RC va atténuer le signal d'un facteur racine de 2, et la deuxième va atténuer le signal aussi d'un facteur encore racine de 2. Donc, comme il est divisé deux fois par racine de 2, ben, à la fin, il est divisé par 2. C'est-à-dire que, à la fréquence prévue pour les oscillations, VS sera deux fois plus petit que VS. Et donc, si on veut que ça puisse osciller, eh bien, il faut, comme ici on a une division par 2, il faut que l'ampli et un gain qui soit au moins égal à 2, voire même un petit peu supérieur à 2. Donc, gain supérieur à 2, ça veut dire que le pont divisé ici, il faut qu'il divise par un peu plus que 2. Donc, il faut que R2 soit supérieur à R1. Voilà. Aussi, pour R2. En fait, on va écrire le gain ampli. On va écrire supérieur à 2. Donc il faut que 1 plus R2 sur R1, qui veut dire que cet ampli soit supérieur à 2. Voilà. Et ça fait donc R2 sur R1. R2 sur R1 supérieur à 1. Alors ce montage, c'est celui que vous étudierez en TP, hein, ça fait partie de celui que vous étudierez en TP, et plutôt que de mettre des R1 et des R2 fixes, qu'on vous fera mettre là, on mettra carrément un potentiomètre, et comme ça vous pourrez régler le gain, ajuster le gain, pour voir ce que ça fait justement quand cette condition est vérifiée, quand on est bien au-dessus ou quand on est un peu en dessous. Voilà. Par contre, ce circuit-là, avec ce circuit-là, on va obtenir un facteur de qualité qui n'est pas très élevé. Voilà. Il va être sensiblement égal à 1 à peu près. Peut-être même moins bon que 1, je crois. Et donc, avec ce oscillateur-là, la fréquence est peu précise. Hein. Surtout si on a de la saturation, quand on va de la saturation. Alors, je ne vais pas détailler, mais il y a des moyens, il y a moyen aussi d'avoir ce type de circuit et d'avoir un niveau de... Comment dire, s'arranger pour ne pas saturer. Mais bon, il faut faire ce qu'on appelle un contrôle automatique de gain. Il faut un gain qui s'ajuste en fonction de l'amplitude des sinusoïdes qu'on mesure quelque part dans le circuit. Et voilà, pour que le gain en boucle ouverte... Enfin, on a un gain en boucle ouverte qui est supérieur à 1 au début pour que les oscillations naissent, et lesquelles atteignent un certain niveau. Il y a un système qui vient réduire le gain et le faire s'adapter pour que l'amplitude des sinusoïdes reste constante, en fait. Voilà, mais ça, c'est sophistiqué, on ne va pas en parler. Puis c'est rare qu'on fasse ça, parce que c'est des systèmes un peu complexes. Je peux effacer ça vous l'avez en tête. Alors, si on veut être plus précis, eh bien, on va utiliser des filtres passe-bande différents. Et pour faire des filtres passe-bande de meilleurs facteurs de qualité, eh bien, on va utiliser des filtres à résonance. Et alors, les filtres à résonance, comment ça va marcher?
Donc là, pour plus de précision, sur les 0, on utilise des filtres à résonance. Voilà, ou à fort taux de qualité, facteur de qualité, pardon. Voilà. Et alors, il y a un petit tas de filtres de type LC. Il va être des filtres d'ordre 2, voilà, qu'on étudiera plus tard, un peu de théorie là-dessus, mais vous allez voir que ça va faire de la grosse théorie. Donc, je vais juste simplement vous décrire rapidement comment ça peut fonctionner, ces filtres-là. Alors, un filtre LC à résonance, ça peut être comme ça, c'est-à-dire en fait, on a une résistance ici, voilà, et et puis, ici, on a le VS, voilà. Alors si je fais juste comme ça le film, j'ai VS qui est lié à la VE, parce que il n'y aura pas de courant dans la résistance. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va lui donner une nature passe-bas, ce filtre, en mettant un condensateur. Donc ça, c'est le filtre passe-bas. Voilà. Mais, parce que le condensateur va court-circuiter les hautes fréquences, ici, donc il va éliminer les hautes fréquences. Voilà. Mais pour éliminer les basses fréquences, c'est-à-dire avec quelque chose qui court-circuite les basses fréquences, ici, c'est-à-dire une inductance. Voilà. Donc on met les deux composants comme ça. Et là, donc, si on règle bien les valeurs des composants, là, R, L et C, eh bien, il va se produire que, quand l'impédance de l'inductance devient égale à l'impédance du condensateur, voilà, pour des raisons qui vont sembler un peu miraculeuses, mais en fait, ces deux composants, les courants, enfin, si, c'est pas si mystérieux que ça, en fait, mais le courant dans l'inductance et le courant dans le condensateur, ils s'ajoutent dans le nœud, et ce courant devient nul. Donc, c'est comme s'il n'y avait rien branché, on a VS et VE. Par contre, dès qu'on va s'éloigner des deux courants égaux, là, eh bien, soit l'inductance, soit le condensateur vont court-circuiter la sortie, et on aura un VS qui va être quasi nul. Donc en fait, pour une bande de fréquence très très étroite seulement, il y aura un signal qui va traverser. Voilà. Alors, je reviens sur le fait que la somme du courant dans le condensateur et dans l'inductance arrive à s'annuler. C'est qu'en fait, la tension entre ces deux composants, c'est la même, c'est VS, pour les deux. Mais dans une inductance, le courant est en retard d'un quart de période. Alors que dans le condensateur, il est en avance d'un quart de période. Du coup, l'un par rapport à l'autre, ces deux courants, ils ont un déphasage d'une demi-période. Une demi-période, ça veut dire que quand il y a un courant qui est comme ça, et bien l'autre, il est décalé d'une demi-période, il est dans l'autre sens. Voilà. Et du coup, s'ils ont la même amplitude, et bien quand on va les ajouter, eh bien, ça va faire un courant nul. Voilà, donc ça, c'est un phénomène de résonance bien particulier. Donc, je pourrais refaire un circuit où je remplace tout ce système-là, le condensateur, enfin, tout ce système passe-bande-là, par ce circuit-là. Et là, avec ce système-là, on peut obtenir des facteurs de qualité de l'ordre de, je sais pas, de 10 à 30. Hein. Et ça, déjà, ça permet d'avoir des fréquences beaucoup, beaucoup, beaucoup plus précises. Mais ce n'est pas optimal, parce qu'en fait, cette résistance, là, elle fait un peu du tort à ce circuit. Enfin, on peut se débrouiller pour choisir bien la valeur de résistance. Mais globalement, la résistance crée ce qu'on appelle du facteur d'amortissement, on verra un peu plus tard. Et en fait, ça dégrade le facteur de qualité. Et l'idéal, ça serait que ce genre de circuit soit attaqué non pas par un générateur de tension mais par un générateur de courant. C'est-à-dire qu'en fait, quelque chose d'un peu plus performant, ça serait d'avoir quelque chose comme ça. Vu que ce soit un générateur de tension qui produit une tension d'entrée, ben on aurait un courant d'entrée et on l'injecte dans le condensateur en parallèle avec l'inductance. Et ça, c'est beaucoup plus performant. Quand on fait ça, on arrive à avoir des facteurs de qualité qui peut monter jusqu'à 100, même peut-être un peu moins. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Alors pour faire ces générateurs de courant, ça peut paraître compliqué, mais en fait, surtout avec des amplioptes qui ont une sortie qui est plutôt en tension, mais quand on travaille avec des transistors, qui sont les composants qui sont à l'intérieur des amplioptes, les composants de base de l'électronique, bien les transistors, ça se passe assez bien parce que eux, leur sortie est plutôt d'une nature générateur de courant. Voilà. Donc les transistors sont très pratiques pour faire des oscillateurs LC. Peut-être mieux que les amplioptes,
Voilà. Et en plus, les transistors peuvent fonctionner à très haute fréquence. Par exemple, si vous voulez faire l'oscillateur d'un émetteur FM qui oscille à 100 MHz, 100 millions de Hertz, avec un ampli-op, vous allez avoir du mal. Par contre, avec les transistors, ça ne posera aucun problème. Voilà. Mais on ne va pas étudier ça, puisque les transistors sont étudiés au deuxième semestre, et c'est des composants plus complexes à utiliser que les amplificateurs opérationnels. Je peux quand même vous montrer un montage ou un amplificateur opérationnel où on va injecter un courant dans un circuit de type LC comme ça. Ça peut se faire avec la structure de l'ampli inverseur. Vous souvenez, l'ampli inverseur, je vais le faire comme ça. Donc là, je vous recrée un autre oscillateur. L'ampli inverseur, c'est ça. Et quand on l'avait étudié, cet ampli, alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais bon, il y avait la tension d'entrée qui était ici VE. Et puis ici, il y avait le VS. Et ça, c'est inverse. VS égale moins R2 sur R1. Moins R2 sur R1. Bon, j'ai écrit en petit parce que je veux de la place. Voilà. Eh bien, cet ampli inverseur, bah, tiens, on va le garder, lui. Mais c'est surtout... Voilà. Je peux le transformer en filtre passe-bande. Enfin, l'ampli inverseur, c'est surtout, en gros, le... Ici, il y a l'epsilon, il vaut 0. Ce qui fait que le courant dans R1, c'est VE divisé par R1. Puis après, comme le courant dans ce d'entrée nulle, eh bien, ce courant qui circule dans R1, eh bien, il est injecté dans R2. Donc c'est comme si on avait un générateur de courant qui injectait le courant dans R2. Eh bien, si on veut transformer ce filtre cet ampli inverseur en filtre passe-bande assez sélectif, il suffit d'injecter le courant qui arrive de R1, non pas dans une résistance, mais dans un circuit LC comme ça. Voilà. Et avec ça, on obtiendra un filtre passe-bande. Donc là, ce sera pour moi, c'est pour valeur. Et là, on va obtenir un filtre passe-bande avec un gros facteur de qualité. Par contre, ce filtre passe-bande sera inverseur pour la fréquence de résonance. C'est-à-dire quand VE sera positif, VE sera négatif. Donc on ne pourra pas le faire fonctionner avec un amplificateur non inverseur comme ici. Pour que ça puisse osciller, il faudra y mettre derrière un amplificateur. Il faudra réinverser le signal, donc on met un amplificateur inverseur. Alors moi je le mettrai comme ça. Alors regardez ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de. Pour regarder la structure d'avant. Finalement celui-là, je le remets en ampli inverseur. Je mets R1 et 2. Ici je mets R. Et ici je mets le fameux filtre passe-bande avec inverseur avec le circuit LC. Voilà, comme ça, ça me fait mieux. Et là, on injecte. Comme ça. Donc ça, il y a deux amplis, mais ça va faire un oscillateur avec un facteur de qualité qui peut avoisiner les 100. Donc une fréquence d'oscillation assez précise. Et puis, je vais vous en parler rapidement, mais quand on veut faire un oscillateur à quartz, eh bien, dans cet oscillateur, il suffit de remplacer ça par un quartz. Ça peut être fait comme ça, c'est-à-dire vous mettez... Alors le quartz, je ne rentre pas dans les détails, c'est pareil, c'est un autre. Il y a encore pas mal de complexité là-dessus, ça se dessine comme ça, un quartz. Et si on fait ça, alors on va réaliser un filtre passe-bande qui a un facteur de qualité de l'ordre de 50 000. Voilà. Et en plus, avec des fréquences de résonance qui sont ajustées en usine de manière hyper précise, et là, on arrive à faire des oscillateurs ultra précis. Donc avec les quartz, le facteur de qualité, là, avec ça, là, 8, puis sensiblement à 50 000. Et là, on arrive à avoir des fréquences d'oscillation ultra précises. Voilà. Allez, j'ai juste vous dessiné, sans vous expliquer, un dernier schéma. Je vais repartir celui-là, mais ça vous fera un nouveau schéma. On arrive à faire des résonateurs à quartz ou à un circuit LC de la manière suivante, et qui sont inverseurs. Voilà. Vous n'allez pas comprendre pourquoi, mais je vous le mets parce que c'est des circuits qu'on remplace assez fréquemment. C'est-à-dire qu'on a globalement un ampli inverseur comme ça, et derrière on va avoir un. Sans utiliser d'ampli-op, sans amplificateur opérationnel, voilà. On arrive à faire des circuits inverseurs en mettant une résistance comme ça. Et puis ici, on peut mettre soit un quartz, voilà. On peut mettre le quartz comme ça, et on arrive à réaliser l'inversion en mettant deux condensateurs comme ça. Alors ça se rend compte assez fréquemment.
ça fait pareil, c'est ultra fréquent en fait. Et souvent, l'ampli inverseur, c'est une porte logique inverseuse dans les circuits logiques. Dans les microprocesseurs, c'est quasiment ce qu'on a tout le temps. On peut aussi remplacer, on peut l'avoir aussi en version circuit LC, c'est-à-dire remplace le quartz ici par une inductance. Voilà, et l'inductance avec les deux condensateurs en série, enfin, ça fait une boucle de résonance. Hein, et ça arrive à faire un système résonant qui produit une inversion de la tension VS par rapport à la tension de sortie ici par rapport à VS pour la fréquence de résonance. Voilà, tous ces oscillateurs existent, mais vous pouvez pas. C'est juste pour montrer les schémas. À la limite, je ne vous demande pas de retenir ça non plus dans tous ces circuits. Voilà. Très utilisé ça aussi avec les oscillateurs à transistors qui sont naturellement des montages qui sont inverseurs. Donc on est obligé de faire des résonateurs ou des filtres passe-bande qui soient inverseurs naturellement avec les transistors. Voilà. Écoutez, on a arrêté là pour ces oscillateurs sinusoïdaux. On verra par la suite, on fera un peu d'études, mais ça va être assez théorique, pour étudier un peu plus précisément ces filtres de type LC, là, puisqu'on a quand même les outils mathématiques pour le faire. Je voudrais quand même terminer pour vous dire que ces oscillateurs sinusoïdaux, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà côtoyé quand ils sont faits de manière acoustique. C'est-à-dire, de manière acoustique, il y a un moyen très simple de réinjecter la sortie d'un ampli sur l'entrée. C'est quand vous avez un micro à l'entrée de l'ampli, puis l'ampli qui sort sur un haut-parleur, ben vous rapprochez le micro du haut-parleur. Voilà. Et là, je pense que vous avez tous déjà entendu ça quelque part, ça produit ce qu'on appelle un larsen. Un larsen, c'est un sifflement qui se met à germer ou naître spontanément entre le micro et le haut-parleur, qui peut être très très fort parce que ça monte, s'il n'y a pas de protection, ça monte jusqu'à saturation de l'amplificateur. Voilà. Et ce système-là, ben, c'est rien d'autre qu'un oscillateur, enfin ce qu'on a vu ici, hein, la même structure, sauf que cette fois, le rebouclage se fait de manière acoustique, c'est-à-dire le haut-parleur qui renvoie le signal sur le micro. Voilà. Et dans ce cas-là, la fréquence d'oscillation n'est pas bien maîtrisée, parce qu'il n'y a pas de filtre passe-bande hein, pour bien maîtriser la fréquence d'oscillation. Voilà, sauf, alors par contre, si on a un bon equalizer dans la boucle d'amplification, on peut s'amuser à privilégier une fréquence particulière. Et là, on va voir que les oscillations, hein, si on monte le volume suffisamment, eh bien, elles vont naître, mais pas trop, elles vont naître ben, la fréquence qui est privilégiée par l'équaliseur, typiquement. Et on peut se rendre compte de cette manière que les oscillations ne sont pas forcément des sons stridents et très aigus qui font mal aux oreilles, mais si on privilégie des basses fréquences, eh bien, on peut avoir très bien des effets Larsen dans les basses fréquences, avec des sons très graves, notamment. Voilà. Voilà. Ben, si je trouve le moyen de monter l'expérience, j'essaierai de la filmer pour vous montrer ce que ça donne... un oscillateur avec rebouclage acoustique, donc par référence. Voilà. Merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.